moment, Papy Galinier, vieil homme de 73 ans, malade du cancer, un jour qu'il faisait sa sieste le 6 août 2010, les volets fermés à cause de la chaleur, Papy Galinier est soudain réveillé. Il prend son fusil, aperçoit deux ombres qui se sont introduites chez lui. Il tire et blesse deux femmes de la communauté du voyage. Oyez, oyez, venez écouter comment Papy Galinier est croupi en prison jusqu'à ce jour. Venez écouter comment deux fois sa demande de liberté conditionnelle a été refusée par des juges dévoyés et idéologiques. Venez écouter le scandale. Papy Galinier ne peut rentrer chez lui en attendant son jugement. Pourtant, il a 73 ans, sa femme est âgée et seule. Il ne risque pas de s'enfuir, il n'est pas dangereux pour la société. Venez écouter, venez entendre la triste histoire de la dérive de la justice française. Alors que dans le même temps, des voyous, des racailles sont arrêtés après avoir volé, après avoir tué, comme celui qui a fracassé le crâne d'un gendarme, comme mon cible Cobourg, qui est toujours en liberté sous conditionnelle, alors qu'il est accusé de tentative d'assassinat sur la police, comme cette femme agressée 23 fois et violée une fois. Des jeunes agresseurs foutus par leurs parents en attendant leur jugement, si jugement il y a, sont toujours en liberté. Et l'on pourrait multiplier le cas par des dizaines et des dizaines. La justice française, c'est fort avec les faibles, c'est faible avec les forts et les voyous. C'est fort avec vous, mesdames et messieurs, c'est fort avec le petit peuple, c'est fort avec les gens qui ne peuvent pas se défendre, mesdames et messieurs. Venez signer la pétition pour la libération de Papy Galinier à la maison, les racailles en prison, Galinier à la maison.